Ceux qui ont voulu deux fois de plus, ils ont fait des utilisés. Et je dois reconnaître qu'il n'y en a que la moitié. De suivre l'Enedis, la finale de l'Enedis Trophée Andros Électrique. Alors, la grille de départ, c'était Vivien Gonnet avec la voiture Motul numéro 2. Nous avions sur la première ligne la voiture numéro 3 aux couleurs d'Andros de Justine. Nous avions avec la voiture numéro 5 aux couleurs de Miprom Erwan Biel. La voiture numéro 1 qui portait les couleurs de l'Oxam avec Angelina Favario. Teva Peronon était avec la voiture Canal Plus numéro 7 et Tom Pernaud, la voiture Enedis numéro 4. Et pour l'instant, bien, pas de surprise Thierry, puisque Vivien Gonnet, après avoir dominé de la tête et des épaules la catégorie de la MV Cup tout à l'heure après sa belle victoire, on va le retrouver d'ailleurs aussitôt après cette course de voiture, et bien Vivien Gonnet est en tête une nouvelle fois, et avec encore le record du tour avec un chrono de 57. Ah oui, plus ça va, plus il gagne du temps. Ouais. Je ne sais pas qui va arrêter Vivien Gonnet. Donc Vivien Gonnet est en tête, Justine avec la voiture d'Andros est deuxième, Erwan Biel qui a raté son départ tout à l'heure est à la troisième place. Tom Pernaud, ça a l'air d'aller un petit peu mieux pour Tom, il est quatrième, Angelina Favario est cinquième et Teva Peronon est à la sixième place. Voilà, Vivien Gonnet qui quand même démontre sur cette épreuve qu'il est totalement polyvalent. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Et avec une technique en plus qu'il nous a confirmé hier, c'est qu'il n'a pas le temps de changer. C'est qu'il n'a pas le temps de se changer. Hein, c'est un type incroyable qui saute de la voiture, du siège de la voiture à la moto, et qui gagne en moto et qui gagne aussi en auto. Je pense que c'est un week-end dont il va se souvenir extrêmement longtemps. Ouais, mais moi je vais te dire la combine, c'est qu'en réalité il roule avec les deux combinaisons, donc ça oui. Doit pas être très simple lorsqu'il est dans la voiture, il voilà. A deux combines, hein, donc je pense que ça doit être pas évident. Ouais, mais ça vraiment c'est très intéressant de voir la qualité évidemment de ce pilote. Voilà, derrière, ben écoutez, on voit que Tom Pernaud a retrouvé un petit peu d'allant. On en profite pour faire la bise évidemment à son papa qui doit être devant l'ordi ce matin, bonne heure, dans le café. Bon café Jean-Pierre, hein. Et puis voilà, même si on est concentré sur Vivien Gonnet devant, Tom a fait une bonne petite course. Et puis bah, Teva Peronon, bon, c'est l'apprentissage, il nous a confirmé qu'il s'amusait comme un fou. C'est l'essentiel. Et bien regarde, Vivien Gonnet, il arrive et il va, après avoir remporté... Presque un tour, il a mis. Après avoir remporté la finale de la MV Cup il y a quelques minutes, eh bien il va remporter cette finale de la catégorie Enedis Trophée Andros Électrique. Ben, il aura fait, c'était bien l'arrivé, hein, je ne me suis pas trompé. Oui, c'est fait. Donc il aura fait le maximum, il aura fait victoire dans toutes les manches, victoire en finale, record du tour. Il nous fait une Berton quoi, finalement, voilà. Vivien Gonnet là. Et il va vite aller reposer la voiture, se changer à toute allure pour prendre le guidon de son Husqvarna que nous allons retrouver. Mais pour l'instant, donc, on va vous donner le classement de cette Enedis Trophée Andros Électrique. Donc victoire de la Motul de Vivien Gonnet, deuxième place pour l'Andros de Justine, troisième place la Miprom d'Erwan Biel, quatrième place l'Enedis de Tom Pernaud, cinquième place la Loxam d'Angelina Favario. Et sixième place pour la Canal+, de Teva Peronon qui passe à l'instant même voilà. La ligne d'arrivée sous le drapeau à damier.